ceux qui me suivez, vous savez que je suis allée faire un petit tour chez Keto To Go. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté, mes beaux petits achats. Checkez-moi ça, toutes les belles affaires. Fait que je vous montre ça. S'il y a des choses que vous aimeriez que je goûte plus que d'autres, je sais à peu près lesquelles vous allez me demander, je suis à peu près sûre. Juste me le dire. Fait que là, éventuellement, j'ai un petit test de goût à faire avec une queue de castor. C'est Sylvain qui a tenté de me corrompre. Parce que moi, je l'aurais pas acheté parce que ça contient du gluten. Puis des fois, je trouve que ça fait cher payer pour avoir mal. Mais là, en tout cas, bref, il me l'a donné. Je vais goûter parce que sérieux, ça me parlait. Fait que j'ai aussi acheté les petites tortillas. Je pense qu'on les retrouve aussi au Costco. Mais moi, la dernière fois, je les avais pas trouvées. Puis ça me donne un 3 grammes de gluten. Fait que bon. Ensuite de ça, il y a des petites souris qui ont commencé. Mais moi, vous savez, c'est mes préférés. Les pommes de porc au ketchup. J'ai acheté les Beyond Chips parce que j'aime ça dans la vie. Ils mangent ça avec du thon, avec un petit peu de salade. Pas de salade, mais de mayonnaise, là. J'adore. C'est mon nouveau repas de prédilection. J'ai acheté des guimauves. J'ai vraiment hâte d'y goûter. Je suis à peu près sûre que ça, vous allez me le demander. Hey, des guimauves. My God. J'ai acheté les céréales Farm Girl. J'ai jamais goûté à cette sorte-là. Je me suis placée une commande chez Farm Girl, mais je me suis un peu trompée dans mon adresse de livraison, puis ça n'a pas fait. Fait que je me suis acheté aussi les petits fusiliers de Kaizen parce que des fois, ça s'incorpore bien dans certaines recettes. Les fameux gâteaux test de goût, là. Ça, c'est mon test de goût. Écoute, 9,99$ en passant. Ensuite, hey, BioStyle. Je sais pas si c'est une nouvelle saveur, c'est saveur d'ananas et fruits de la passion. Écoute, j'ai hâte de boire ça, là. J'ai hâte de goûter à ça. Ensuite, ben, du Zevia orange parce que des fois, c'est bon. Puis, racinette crémeuse d'autres Zevia. Je suis pas tant sûre, mais je vais goûter. Fait que ça ressemble à ça. Fait que là, moi, j'étais à peu près sûre que vous avez une petite curiosité sur une chose en particulier. J'attends vos commentaires pour savoir lequel. Ça va être mon prochain test de goût. Fait que, ben, sinon, j'ai très, très hâte de goûter à ça.